Salut les amis, bienvenue sur Frasca aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo de déballage. Aujourd'hui, je reçois ce sympathique colis que je vais découvrir en même temps que vous. Je ne l'ai pas déballé comme vous pouvez le constater. Sur ma première vidéo de déballage, j'avais préalablement déballé les voitures de collection. Et je tenais à ce que, à présent, si je faisais des vidéos de déballage, ce serait des véritables déballages où je découvrais en même temps que vous la miniature. Donc c'est chose faite, c'est la première fois que je le fais et j'ai très hâte de découvrir ça avec vous. Donc on va pas tarder à commencer. Cette voiture-ci n'est pas une voiture récente. Par exemple, comme vous pouvez le constater derrière, ici, c'est une voiture de 2018 de Kevin Harvick, mais celle-ci, une voiture de 2005 qu'on va découvrir. Je vous en dis pas plus, je vous laisse faire votre petit pronostic sur quelle voiture pourrait bien se trouver à l'intérieur. Et c'est parti. Alors je m'excuse à l'avance, je suis un petit peu enrhumé. Ça m'est tombé sur le coin de la figure aujourd'hui. J'arrête pas d'éternuer, donc je couperai peut-être des trucs en montage. Soyez pas étonnés. Alors suspense hein, parce que je découvre le truc en même temps que vous. Si la voiture est complètement défoncée, on verra. Mais je pense pas, mais on sait jamais, c'est déjà arrivé. Je suis très excité de ce que je vais découvrir, bordel, je vous le dis. Ça c'est le bonheur, regarde. Alors je touche, hein. Je vois pas ce qu'il y a derrière. Je suis sûr que je vois pas ce qu'il y a derrière. Je touche la boîte. Parce qu'en même temps, alors je dévale pas tout de suite. Parce que pour la petite info, enfin je vais vous expliquer tout au long de la vidéo, mais c'est une voiture que j'ai achetée sur eBay celle-ci. Un acheteur français. Un vendeur français, pardon. Donc le prix était vachement intéressant. Avec les frais de port, j'ai payé 40€, 45€ je crois. La boîte, les gars, je vous le dis, moi, ça déchire. Alors, pour ceux qui l'auraient pas compris, ou ceux qui sont un peu néophytes en NASCAR, c'est donc une voiture de Kevin Harvick. Alors, c'est pas étonnant avec ce que vous voyez là. Mais sachez que, alors je tiens à préciser une chose, là, je vous fais un déballage Kevin Harvick, j'en ai fait la dernière fois. Derrière, il y a une voiture Kevin Harvick que je n'ai pas fait de déballage là-dessus d'ailleurs. Je vous la présenterai après si vous voulez. Sachez que je compte vous faire des déballages de voitures autres que Kevin Harvick, bien entendu. Je pense à beaucoup de pilotes que je compte acquérir leur voiture, enfin leur miniature en tout cas. À savoir Jeff Gordon, Dale Earnhardt Sr., Dale Earnhardt Jr., Mark Martin, Rusty Wallace, William Byron, Daniel Suarez, Kyle Busch, Jimmy Johnson, bien entendu, Jimmy Johnson. Tout ça m'intéresse énormément et je peux vous garantir que tous les pilotes que je viens de citer, vous verrez une vidéo de déballage avec une de leurs voitures. Donc je vous conseille une chose, c'est tout de suite de vous abonner à la chaîne si vous voulez découvrir ce que je suis amené à déballer. Et comme vous pouvez le voir, c'est la surprise totale. C'est-à-dire, il y a des voitures, bah moi je sais un peu à l'avance ce que je vais recevoir, mais vous, pour vous, ce sera la surprise totale. Parce que je peux vous garantir que déjà, dès à présent, le prochain épisode, ce n'est pas une voiture de Kevin Harvick. Et je vais la recevoir semaine prochaine. Ce sera un autre pilote. Je ne vous en dis pas plus. Faites votre pronostic, mais je peux vous garantir que ce n'est pas une voiture de Kevin Harvick et c'est une voiture signée. Allez, on va déballer, on va étudier déjà la boîte un peu. Donc c'est une Action Racing de la Richard Childress Racing. À l'époque, il était le numéro 29 de la Richard Childress Racing. Il rentre à la Richard Childress Racing en 2001 en remplacement de Dale Earnhardt Sr., tragiquement décédé lors de l'épreuve du Daytona. Là, il fait une très grosse apparition en Cup, puisque lors de sa première saison, Kevin Harvick, c'est pour ça que je l'adore en fait, c'est que ce mec là, il arrive en Cup, première saison, il gagne au bout de 3 courses. Alors déjà, mais tout le monde d'accord. Et il gagne une deuxième fois chez Chicagoland en 2001. Mais on y reviendra sur sa carrière.
mais voilà, c'est le côté un peu mystique de je remplace des Lernard, je gagne la première saison, etc. Et moi, ça, j'ai tout de suite accroché à ce pilote, donc c'est une des grosses raisons pour lesquelles je l'adore, et notamment aussi avec sa relation avec Tony Stewart, que je kiffe autant ce pilote. Donc, on va assez parler. Tiens, c'est marrant, la boîte. Ah bah attendez. Alors, il y a écrit quoi là ? Kevin Harvick, Gunvrecht. Alors, je cache là, bon, vous avez peut-être vu, donc c'est une 2005 Monte Carlo, article 1 sur 5304, QVC, je sais pas ce que ça veut dire, c'est peut-être les élites, je sais pas. Total production à 5800 exemplaires. C'est une action racing. C'est, allez, je l'ouvre, assez discuté. Là, je découvre en même temps que vous, je suis assez fanat. Je vous le cache pas. Oh, putain, je la vois là. Oh, je la vois, c'est un truc de ouf. Ça fait mal. Oh là 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 là. Il n'y a pas de socle. Oh, il n'y a pas de socle. On va étudier ça tous ensemble. Oh là là, on va l'étudier ça. Je vous dis ça. Donc la boîte, il n'y a plus rien dedans. C'est juste, allez, prise dans deux. Voilà quoi. Mais la voiture est d'une qualité. Oh là là, c'est abusé. Franchement, m'attendez pas à ça. Qu'est-ce qu'elle est lourde! Oh là là! Mais qu'est-ce qu'elle est lourde, sa race! Excusez-moi des termes, qu'est-ce qu'elle est stylée, quoi! Mais qu'est-ce qu'elle est stylée! La forme de la voiture de l'époque, je l'adore, 2005. Ici, vous pouvez voir le petit rappel, toujours, parce qu'en fait, lors des premières années, Kevin Harvick, il avait toujours ce petit rappel du numéro 3. Regardez, je vous fais un super zoom. Donc voilà, vous avez ce petit 3 qui apparaît, qui est un rappel éternel à Dale Earnhardt Senior, qui est décédé, donc il l'a remplacé en 2001. Donc toujours 4 ans plus tard, il arborait encore ce fameux petit numéro 3. Donc alors, à l'époque, c'était la Nextel NASCAR Cup Series. Voilà, elle était sponsorisée par un tout tas de sponsors. On n'est pas là pour tous les voir en détail. Et donc, nous avons cette fameuse voiture Monte Carlo de Kevin Harvick, sponsorisée par General Motors, Goodrich, qui fêtait ses 20 ans à l'époque, visiblement. Je vais vous ouvrir la voiture un peu plus tard, vous inquiétez pas les amis. On va faire un petit tour d'horizon. Le côté gauche, 6000 euros côté droit, donc toujours avec ce numéro 29, avec cette typographie, toujours Richard Childress Racing, qu'elle a conservé toujours aujourd'hui. Donc, à l'époque, il y avait des roues flaps. Ça existait déjà, et ils sont représentés. Il n'y a pas de numéro de série derrière, comme celle-ci là-bas, d'ailleurs. Donc, pour vous donner une idée, voilà, avant, enfin sur les nouvelles voitures, nous avons des numéros. Donc là par exemple, vous avez 061 à droite. Et ce que m'a dit un de mes amis fans de voitures de NASCAR, c'est que il est tout à fait possible que vous ayez un numéro qui est en fait le même numéro que le numéro de votre voiture. Et si effectivement, par exemple là j'aurais eu le numéro 4 par rapport à la voiture 4, cette voiture aurait beaucoup plus de valeur. Ça serait une voiture beaucoup plus rare. En fait, c'est une façon de rendre la voiture encore plus rare. Et donc voilà, on va rester concentré sur la trouvaille du jour. Je laisse celle-ci en fond et on va repasser sur le monstre. Le monstre de la recherche et de la racing à l'époque, en 2005. Mais regardez-moi cette qualité. La voiture est tellement lourde par rapport à l'autre, mais je vous jure, c'est un délire. Je regarde juste s'il y a des suspensions, parce que des fois, ils foutent des suspensions. J'ai pas trop envie d'appuyer comme un dingue. Mais vous le voyez, regardez. C'est fait, hein. C'est bien fait, hein. Et je sais que j'ai une Kevin Harvick où les suspensions sont vraiment réalisées. Vous pouvez appuyer sur les roues, ça réagit. On le voit dans ma précédente vidéo. Je vous mets le lien dans la description. Donc là, vous voyez que c'est fabriqué en Chine. Donc, pas de commentaire là-dessus. Action Racing, vous voyez. Enfin bon, c'est fabriqué en Chine, mais franchement, ça défonce. Alors, je vais essayer d'ouvrir le capot. Vous avez le logo Gunvrecht derrière. Et donc, vous pouvez voir ici le moteur qui est extrêmement bien réalisé pour le coup. Là, vous ne voyez peut-être pas bien la caméra parce que ça manque un peu de lumière. Je vais juste faire une petite... Je vais prendre mon téléphone et je vais vous éclairer le moteur pour que vous voyez un peu. Mais je trouve qu'il y a plus de détails dans ce modèle-là. Très franchement, que dans les modèles récents. Et là, vous voyez les courroies, vous voyez du rouge, du bleu. Enfin, c'est beaucoup plus sympathique, je trouve. Et vous voyez même le sol derrière. C'est beaucoup plus sympathique, je trouve, que ce type de voiture-là. Parce que, par exemple,
si j'ouvre le capot de celle-là, il y a des courroies, mais le moteur n'est pas coloré, si vous voulez, il y a du bleu, ouais, un petit peu, mais je trouve plus impressionnant le moteur de celle-là que le moteur de celle-là, franchement. Et celle-là, mais qu'est-ce qu'elle est plus légère, mais c'est abusé. Et voilà, l'objectif de cette vidéo, c'est aussi ça, c'est vraiment de pouvoir comparer les voitures d'hier et d'aujourd'hui qui ont été faites en reproduction NASCAR, vraiment voir les différences en termes de conception de modèle, de forme de moule, les couleurs utilisées, la précision des décalcos, etc., etc., voir la qualité et la finition. Aussi, vous présenter différents niveaux de finition avec les élites, les actions racing, les race wins, etc., tout le petit distinguo qu'on peut avoir dans ce genre de collection. Et aussi en termes de fabricants, parce que là nous avons des Arc, Lionel Racing, etc. Mais il existe aussi un autre fabricant qui s'appelle Team Caliber, et je compte vous en présenter une Team Caliber et faire vraiment la comparaison pour vraiment que vous ayez la meilleure idée qu'il soit sur ce type de modèle et pour vraiment vous aiguiller dans vos achats pour que vous ne soyez pas déçus à la fin quand vous recevez la voiture. La petite vitre que vous voyez là, enfin le filet, il y a un filet. Alors, sur les photos par exemple, moi je me disais, ça doit être du plastique. Ça doit être du plastique. Là, sur les voitures là-bas en 2018, c'était un filet sans filet en tissu, un petit tissu, si vous voulez. Là, c'est du caoutchouc. Très sympa d'ailleurs, parce qu'il est amovible, si vous voulez. Il se mouvoie. Si on peut dire ainsi, il se mouvoie. Vous pouvez appuyer dessus, ça se plie. Alors, merci à celui qui me l'a envoyé, qui était très réactif. Mais tellement réactif, je l'ai commandé samedi dernier ou vendredi dernier, je la reçois là, une semaine, et j'avais la voiture. Cette voiture-là, je l'ai payée 40 ou 45 euros, avec les frais de port compris, je parle, et il l'avait mis à 35 euros sur eBay, et enfin, franchement, une affaire de ouf. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce que cette voiture, concrètement, elle a fait? Mais en fait, en 2005, elle n'a rien fait. En fait, c'est la voiture de Kevin Harvick au Daytona 500 de 2005, la première épreuve, et il n'a rien fait avec. Alors je pense, j'ai pas regardé la course en entier, je l'ai regardé, mais je pense qu'il a été impliqué dans un crash parce qu'il a fini à 5 tours du leader, à la 28e place. Donc pour cette épreuve là, c'est Jeff Gordon qui remporte l'épreuve. Si on revient sur cette saison globalement, bah Harvick, lui, quant à lui, n'a qu'une seule victoire en 2005, c'était à Bristol. Mais quand vous regardez les stats de 2005, de toute façon, c'est juste une saison de malade. Parce que le pilote, pas qui a été champion, hein, mais qui a le plus de victoires, devinez c'est qui? C'est Greg Biffle, les gars. Greg Biffle, il a eu 6 victoires en 2005. C'est le pilote le plus victorieux de cette année-là. Le champion, c'est Tony Stewart. Les autres pilotes qui ont marqué la saison, c'est notamment Carl Edwards, Jimmy Johnson, ils ont 4 victoires les deux pilotes. Kurt Busch, il a 3 victoires. Donc Jeff Gordon, il en a 4 au total. On peut citer également Kyle Busch qui a 2 victoires. En effet, c'est sa 3e saison en Cup en 2005. Et il signe les 2 premières victoires de sa carrière, c'est cette année-là. Donc c'est quand même une petite rétrospective que je souhaitais faire. Il y a quand même 2-3 choses intéressantes à dire sur cette saison-là, quoi. Clairement, déjà rien que le fait que les 2 premières victoires de Kyle Busch, c'est cette année-là. Kevin Harvick, bon, il a qu'une victoire cette année-là, il n'a pas été grandement marquant en année 2005, mais je suis tombé sur cette voiture sur eBay et je me suis dit, mais je la veux. J'adore le... parce que esthétiquement parlant aussi... Tenez, on va regarder ce qu'il y a dans le coffre. Un petit tuyau. À mon avis, c'est le tuyau pour l'acheminement de l'essence dans le réservoir. Parce que c'est le réservoir, oui, qui est là, tout simplement. C'est le réservoir. Le réservoir d'essence qui se trouve dans le coffre. On peut voir ici. Alors, comme vous pouvez le constater, pour ceux qui sont un peu néophytes en NASCAR, les châssis des voitures sont pas symétriques. Ça, c'est un truc que, avant, je ne savais pas. Mais ici, par exemple, à gauche, c'est plus incliné. C'est plus tordu, si on veut, que là, c'est plus droit. Et c'est encore plus flagrant sur l'autre voiture que j'ai là. Regardez. À gauche. C'est pas symétrique par rapport à là. Mais c'est volontaire. C'est la NASCAR qui a voulu ça. Ça a toujours été le cas en NASCAR. Les voitures ne sont pas symétriques puisqu'elles ne tournent majoritairement qu'à gauche. Il y a juste sur les circuits routiers où elles ont un châssis symétrique. Le reste de l'année, sur les speedways, elles n'ont pas un châssis symétrique.
Donc ça peut donner des effets un peu bizarres, du style voilà, par exemple là vous avez ici, là c'est plus bosselé que de l'autre côté. Vous avez des ailettes que sur ce côté-là. Ainsi de suite. Il y a plein de petits détails aérodynamiques qui sont très bien reproduits d'ailleurs sur les miniatures comme celle-ci. Et c'est hyper appréciable. Après, il y a des petits défauts que j'avais déjà soulignés lors de la précédente vidéo. La première vidéo que j'ai faite sur un unboxing. Mais clairement, je suis super content de la qualité rendue de ces voitures. C'est juste une dinguerie. Regardez-moi ce monstre de Chevrolet Monte Carlo. Qui est juste dingue. Puis elle a une petite tête de voiture gentille, j'adore moi. Cette époque-là, je l'adore. Eh bien les amis, j'espère que ce petit unboxing vous aura plu. C'est tout pour ce numéro. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je compte en faire un très prochainement avec une voiture qui ne sera pas de Kevin Harvick. Non, ça va être un autre pilote. Je vous mets une vidéo 360 de la voiture avec le petit socle qui se trouve ici. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.